Ça vous inspire? Ah bah grave, parce que ça, des pubs pour parfum, on peut faire ce qu'on veut, donc Ouais, on peut faire genre un beau mec torse nu qui embrasse une fille dans le désert. Oh ouais, et après il enfile une chemise comme ça et il monte à bord de son voilier. Ouais, et après ça passe en noir et blanc sur les toits de New York. Et là, il regarde le coucher de soleil. Non, c'est wow, je parlais de parfum Fanta. Ah, ok, ça marche pas. Parfum orange, parfum exotique, parfum citron, parfum pêche abricot, parfum zéro qu'on salue également. Voilà, on parle de fruits, pas de fragrance. Faut réfléchir à de nouveaux parfums Fanta et à la façon de les présenter. Le job de rêve quand même, créer et goûter les parfums de demain. Oh, je sais, on peut faire un tuto cuisine, genre dispositif caméra, tu vois, trois caméras, là on le fait en live, les gens peuvent interagir. Voilà, tranquille, calm down Scorsese. Il y a des fruits, ça se teste vendeur nature, hein. Moi je trouve pas ça idiot, hein, tester des nouveaux parfums, la naissance d'un nouveau parfum, c'est quand même beau. Ok, mais créer une boisson, je veux dire une bonne boisson, c'est déjà coton. Ok les filles, on sort les caméscopes et ça part en prod. Bonjour tout le monde, wouh. Et bienvenue dans la cuisine Fanta. La Fanta Chicken. Kitchen Marjorie, kitchen. Oh la vache, les filles y'a rien qui va. J'avais dit tout orange pour Fanta, c'est pas possible, y'a rien d'orange. Ça c'est pas orange, ça c'est pas orange. Ça c'est pas orange, comment on fait? Petite pause là parce que... Petite boisson là pour me détendre. Voilà, hein, confisqué, hein, zou. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une boisson papa pipopa. Qu'est-ce qu'il y a dans le papa pipopa? Il y a du pamplemousse, de la papaye, pitaya, pomme et pastèque. Il paraîtrait que cette boisson nous viendrait de l'île de Pâques. Ouh, et pour faire le papa pipopa, il nous faut un ustensile bien pratique, le... Turbo mixeur. Alors, attention avec le turbo mixeur, car si vous l'ouvrez et que vous laissez les enfants se mettre les mains, ils pourraient prendre leur petite mimine. Oh oui, les petites faïences broyées par la machine. Maman, ce n'est pas très recommandé. Et alors, pour peu que ça s'infecte, je ne vous raconte pas la gangrène purulente que vous allez vous payer, quoi. Trêve de plaisanterie, nous allons maintenant introduire les fruits dans la machine. Bien sûr. Mmh. Je m'y colle. Oh, mais... Ah. Oui. Nous avons donc une autre boisson qui s'appelle le Papa Pipo. Papa Pipo. Et qui nous viendrait du Guatemala. Ah, et puis bien sûr on, hein. Alors, en même temps, il y a une autre boisson. Oui. Qui s'appelle le pot. Alors, c'était pas branché, Audrey. Alors, hop. Bah ouais, mais je vous l'avais dit les girls, créer un nouveau parfum Fanta, c'est pas du gâteau. J'avais dit c'est du coton. Alors, comment ça va ces phalanges? Ah non, mais en plus elle est droitière, alors pour la rédaction du manuel du digital, je vais manquer de main d'œuvre. Ah puis en plus faire un manuel sans main, c'est quand même pas facile. Non mais faites gaffe, je m'en voudrais qu'une de vous se chope la gangrène. Allez, à demain les filles. À demain.